flaky layers, lots of butter, and a delicate crunch. These are what makes a freshly baked croissant absolutely irresistible. It's a beautiful morning in Nice on the French Riviera, and I can't imagine a better way to start my day than having a croissant. I personally cannot imagine anything more French than a perfectly laminated dough, and if you know the series well, butter, lots of butter. We're going to find out more. I know we promised you butter, and we'll get to that in a bit. But aren't you curious to learn how croissants get their perfect flaky layers? Sit tight, because it's going to take 3 days. At least, that's what happens in real life. Luckily for you, we're here to speed things up. Day one is the day of the dough. We need sugar, salt, water, yeast, leftover dough and flour. Là, on a deux types de farine. J'ai ce qu'on appelle la farine de tradition française. C'est une farine qui ne contient pas d'additifs. Et ici, j'ai de la farine de gruau. Elle est fabriquée à partir de blés qui vont donner plus de force à la pâte. C'est ce qu'on appelle des blés de force. C'est ce qui va permettre d'avoir plus d'élasticité et une meilleure tenue de la pâte en fin de pétrissage. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre la pâte à croissant et la pâte tous les autres types de pâtes, quelle est la particularité de la pâte à croissant? Alors, la pâte à croissant fait partie de ce qu'on appelle la famille pâte feuilletée fermentée. C'est une pâte qui, d'un côté, va donner du feuilleté, du croustillant au produit qu'on va fabriquer avec, et d'un autre côté, on aura une pousse, une fermentation comme le pain. This dough contains 8 kilos of flour and will make about 240 croissants. And this is only one third of the daily production here at Boulangerie Roi Le Capitole, where over 1,000 croissants a day are churned out during the weekend. Frédéric even supplies the most prestigious hotel in Nice, the Negresco. The dough kneads for 12 to 14 minutes, just enough to gain elasticity, but not too much to heat up and kickstart the fermentation process too soon. This, in baker terms, is called preserving the gluten network. It's what Frédéric is showing me here. The dough is not breaking nor stretching. Once it has been divided into pâtons, which literally means pieces of dough, it is placed in the fridge and left until tomorrow. Day two is the day of the butter. Our favorite ingredient will take up as much as 30% of the croissant pastry, but butter is not mixed with the dough. The two have to be perfectly layered. Une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre. Donc si le beurre est trop mou, il va se mélanger à la pâte, et à l'inverse, s'il est trop dur et que la pâte est molle, on a le même phénomène, c'est le phénomène inverse, mais tout se mélange. Okay. Donc si on a une consistance de pâte relativement ferme et que le beurre est ferme, rien ne va se mélanger, et on va pouvoir conserver les couches de feuilleté au fur et à mesure que l'on va évoluer dans le travail. This is how lamination works. The layers are achieved by, you guessed it, folding the dough and butter over and over again. To do that, there are two kinds of folds or turns. A single fold, where the dough is folded in thirds like an envelope, gives 3 layers, whereas a double fold, where both ends meet in the middle and then are folded again like a book, gives 4 layers. A baker can choose whichever technique they prefer. Frédéric starts with a single fold, single again, and then double. Donc là, si vous avez observé, quand j'ai démarré, donc j'ai replié la pâte avec le beurre au milieu, ce qui nous faisait 3 couches. Là, je viens de la plier en 3. Donc 3 fois 3, ça nous fait 9 couches. Ce qui veut dire que déjà là, on a 9 couches. Pâte, beurre, pâte, beurre, pâte, beurre. Là, on en est déjà à 9. Donc là, je viens d'en rajouter 2. Et là, j'en rajoute encore 1, 2, 3, 4. On a bien 4 couches. Donc j'en avais 9 tout à l'heure. Maintenant, 4 fois 9, 36. On a 36 couches. Un bon croissant, faut-il au moins combien de couches? Entre 3 et 4. Ok, donc 36, c'est... Il y en a qui vont donner 50, tout dépend. Moi, je donne un tour double, un tour simple. D'autres vont donner 3 tours simples. J'ai des collègues qui font 2 tours doubles. Et on n'a pas le même nombre de feuilles à la fin. À moins on va donner de couches, à plus les feuilles du croissant vont être épaisses.
Moi, je veux que quand on croque dedans, ça soit facile à manger, que les croûtes ne soient pas trop dures, que les différentes couches ne soient pas trop épaisses. Donc, c'est pour ça que je travaille de cette façon-là. As the lamination process heats it up, Frederick puts the dough in the fridge for half an hour to keep it cold. Keeping the dough cold and firm is essential for what comes next, cutting it in the tiny triangles that will be our croissants. Est-ce qu'il y a un épaisseur ici? Ah oui, absolument. C'est-à-dire que là, comme on fait du croissant, si j'étalais trop fin, je prendrais le risque d'écraser les différentes couches de beurre et de pâte. Donc, okay. Il serait moins feuilleté. Là, pour les croissants, je passe à 4,5 mm deux fois. Donc, ça vous permet de rouler le croissant sans décraser? Et absolument. Vous n'avez pas une moule? Non, je... C'est les yeux, le moule. Quand le croissant prend cette forme de demi-lune. Oui, absolument. Ça vient donc d'Autriche. Lorsqu'il y a eu l'attaque des Ottomanes, c'est un boulanger qui était en train de travailler la nuit, qui a déclenché l'alerte et qui a empêché l'invasion. Pour fêter ça, ils ont créé une sorte de pain en forme de lune. Alors, sur la forme, ça ressemble au croissant. Par contre, ce n'est pas du tout le croissant tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est bel et bien les Français qui ont créé cette pâte feuilletée avec le beurre qui est devenu le croissant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la forme qui est restée. Voilà. Pour les pieds, le beurre. Donc, vous y croyez à l'histoire que la forme du croissant vient de riche. Vous n'avez aucun problème, les filles, non. Devant la caméra. Aucun. Non. Aucun. Est-ce qu'il y a une technique particulière aussi pour rouler un croissant? Il y a deux techniques. Soit les rouler comme je suis en train de faire, comme ça, soit dans l'autre sens. Il y en a qui vont le prendre dans ce sens-là et qui vont l'étaler en le poussant. Il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est le résultat. Le résultat est important. Enfin, ici? Ouais, n'importe où vous voulez. Il faut déjà tirer dessus comme ça pour le rallonger, okay. En descendant avec la main comme ça. Voilà. Et après, on le pose, on l'écarte et on roule. Ok. Ah. C'est joli, hein? Faire des oreilles, sinon. On sent le beurre sur un an. Eh oui, c'est normal. C'est qu'il faut aller vite, sinon le poisson ne... La chaleur des mains fait fondre le beurre. Et vous voulez toujours garder la pâte froide. Oui. Voilà. En fait, c'est très froid. You may think the croissants are ready to be baked, but we actually need to wait another 15 hours for that to happen. Following Frederick's step-by-step process really made me appreciate how much time and energy goes into producing the perfect product. Do you remember the baguette tradition? This type of baguette, by French law, has to be made on-site with simple ingredients. Well, for the last 4 years, Frederick has been campaigning to get croissants the same protection. Jusqu'en France, on a une loi pour le pain. Le pain, dès lors qu'on a une ancienne boulangerie-pâtisserie, doit être pétri, façonné et cuit sur place. Par contre, pour la viennoiserie et la pâtisserie, il n'existe rien. J'ai interpellé le Premier ministre français sur la nécessité de créer une appellation tradition pour le croissant artisanal. Le croissant étant l'emblème français de la viennoiserie, si on avait la même chose, ça serait une forme de reconnaissance pour les artisans et une garantie de qualité pour le consommateur. Il faut absolument repérer de vrais artisans et en faire parler autour de soi. It's day three of our croissants. Three, like how they grow three times their size when they are baked. Et donc là, maintenant, ils sont prêts à être cuits, mais avant de les passer au four, on va les dorer. C'est-à-dire que c'est un mélange de jaune d'œuf et d'eau qui va permettre aux croissants d'avoir un peu plus de croustillant, mais surtout d'avoir une croûte bien dorée et qui, ça leur permet de briller. Ils ont reposé au chaud, pas vraiment dans les fours, mais au chaud, parce qu'on voit un peu la beurre qui a légèrement fondu, oui, oui. Absolument, parce que pendant 10-11 heures, on était en froid à 4-5 degrés, et ensuite on est monté à 25-26 degrés, puisque c'est sous l'action de la chaleur que les levures vont vraiment s'exprimer. C'est la levure
qui va manger le sucre et tous les corps sucrés qu'il y a à l'intérieur du croissant et fabriquer du gaz carbonique. C'est les petits trous qu'on voit après à l'intérieur, que ce soit dans le pain, dans les croissants. C'est la mécanique naturelle de la fermentation. Donc il faut attendre beaucoup de temps et progresser la température lentement. Alors qu'on travaille des levures, c'est le temps qui va faire la qualité du produit. Vous avez une pelle à pizza, non? Ah non, ça c'est une pelle à plaque. La pelle à pizza est beaucoup plus large. Oui. Donc là, ça va être pour mettre les plaques jusqu'au fond du four. Oui. On peut mettre 4 plaques. 4 plaques, voilà. Combien de croissants il y a qui dans ces plaques? 15. Donc là, on va en mettre 60. Pour la cuisson, à quelle température On est à 215 degrés et on va les faire cuire entre 15 et 17 minutes. Oui, le four à pizza est beaucoup plus chaud. Oui, oui, c'est vrai. Mais la technique, c'est la même. Oui, le coup de pelle. Et ici, on est à Nice, près de l'Italie. Absolument. On partage un peu les... C'est nos voisins. Ce sont nos voisins. Voilà, ce sont très très jolis. Hein? Bah là, ils sont bons. Là, je suis assez satisfait parce okay, que si on prend un croissant, le but recherché, c'est d'avoir du croustillant à l'extérieur et du moelleux à l'intérieur. Donc, si on regarde et qu'on écoute, on a un bon feuilleté et donc un très bon moelleux également. On croustille, on est moelleux. Donc là, on a un croissant au beurre qui va faire que le client va vraiment se régaler avec, hein, parce que là on a une belle mie, bien jaune, bien beurrée. Donc, je suis content. Est-ce que j'essaye l'autre côté? Vous voulez essayer l'autre côté? Allez. Bien sûr. C'est bon quand c'est chaud. C'est frais, c'est chaud, c'est frais. Là c'est royal, à la sortie du four. C'est 9h, vous n'avez pas vraiment commencé votre journée avec le croissant. Alors, on va dire que ceux-là sont terminés. Maintenant, il va être temps que je commence ceux pour demain. Puisque okay. Ceux de demain seront préparés aujourd'hui pour avoir au moins 15 heures de fabrication avant qu'on les mette au four. Ils auront eu 15 heures de repos. Et c'est l'avantage que les artisans ils ont sur les industriels, c'est que les industriels n'ont pas le temps. Donc, ils ne pourront jamais égaler une saveur gustative d'un croissant artisanal, ni les valeurs nutritives, que ce soit pour le pain, pour le croissant, pour la viennoiserie, que nous on obtient. Parce que nous, on prend le temps de faire les choses vraiment comme elles doivent être faites. Et ça, c'est le plus important, le temps. Tout est une question de temps.